Olympiade 2019, les projets primés et financés. Les jeunes de SOS Village d'Enfants de Tourmasne ont remporté le premier prix du concours Olympiade 2019 avec leur projet Bon Miel qui consiste à utiliser de nouvelles méthodes afin d'obtenir de meilleurs rendements dans l'apiculture. Des jeunes issus d'EPS Internet Woodvourne avec leur création de trousses en bouteilles plastiques arrivent à la deuxième place et dans la catégorie des questions pour un champion, des élèves du collège Montfort Gabriel de Mahajanga et du lycée Juna Salazamay de Tourmasne ont remporté les prix. Les concours de questions pour un champion, de création de projets et objets innovants ont tiré le rideau samedi dernier à Andouar and Foot. Au total, 16 finalistes se sont affrontés et ont présenté leurs idées dans les catégories culture générale, création d'objets et développement de projets. Ces finalistes ont été jugés sur des bases de pitch, de motivation, de pertinence, de réalisation, de budget et de marketing des présentations. 1000 jeunes ont participé au concours samedi dernier, une compétition qui a débuté le 3 juillet dernier. Cette activité est initiée par DHL Madagascar à travers son programme social GoTeach en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et SOS Village d'Enfants Madagascar. Des enfants et jeunes de différents collèges et lycées d'Antananarivo, de Tourmasne, d'Antsirabe, de Mazang et de Touliar ont participé au concours de projet et au concours de culture générale. L'objectif est d'aider les jeunes à faciliter la transition entre le monde de la formation et le monde professionnel afin d'améliorer leur avenir, a précisé Faneva Rarmanantsou, responsable DHL, lors de la finale du concours samedi. Ainsi, les projets ont été primés et financés afin d'offrir aux jeunes l'opportunité de les concrétiser.